notre magnifique bois fossile pour polir, mais sans le déformer. J'avais fait un dessous, regarde, il est plus lisse. J'avais fait la chasse aux cristaux. C'est pas des blagues. Vous l'avez demandé et vous allez la voir aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Mais la vidéo, vous allez la voir plus tard. Là, on est dimanche. Je devrais faire le concours de la tombola. Hein. C'est supposé être aujourd'hui. Alors, je pense que je vais le faire plutôt à soir parce que j'ai pas fait de sortie depuis un petit bout en nature pour le rack and ding. Alors là, j'ai mis des guenilles. Alors que j'ai des cheveux bien attachés, on va aller en forêt, j'ai de l'insecticide. On va aller au pied des montagnes, ce sera. Peut-être différents endroits, on va creuser et on va filtrer le sable. J'espère trouver de l'eau. On a eu de la pluie, alors ça devrait être faisable. Il faut trouver un bassin d'eau, un ruisseau desséché, ou les deux ensemble. Des ruisseaux desséchés, des bassins d'eau. L'idée, c'est d'en avoir plusieurs, puis de continuer à... il faut falloir laver le sable, le trier, et le mettre dans des petits pots. Alors, pour aller trier des batchs de sable et creuser à la recherche de trésors, il faut des bottes étanches. Le plus possible étanches. Si vous avez des bottes de pin, c'est encore mieux. Une passoire fine, mais pas trop. Avec ces trous longs, on avait calculé, c'est parfait. C'est des trous d'environ 3 mm. Une petite pelle pour creuser. Pliable. Une assiette noire. Vert foncé, c'est bon aussi. Brun foncé, c'est bon aussi. Mais pas blanche. Ni métallique. De l'eau. De quoi boire. Un pack-sac, bombe de poivre pour le cas où vous rencontrerez des humains malveillants ou un ours malveillant, un mâle habituellement. On se le souhaite pas. J'ai une grosse machette, mais je veux pas la traîner parce que si les flics me voient avec une grosse machette, ils vont carrément vouloir m'arrêter. Puis je veux pas blesser les animaux. Si je rencontre un animal malveillant, je vais supporter la douleur et m'enfuir le plus possible. Alors, voilà. J'ai peut-être pas assez d'eau avec moi. J'ai le liqueur. Pourquoi j'en mets de l'eau? Juste d'eau que ça. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ah, oh, tout bien. Tout tombe, tout. Tant. Vous pourriez emmener ça aussi, peu importe. L'important, c'est que ça soit un plat. Vous n'avez pas besoin d'un gros pot parce que là, ça va être des petites pierres. Bon,
sais, je peux m'emmener à boire. Faut pas que ça sente trop. Si vous emmenez de quoi à boire, essayez de pas amener de nourriture. Si vous allez dans la nature, ça c'est de l'eau, mais je sais pas. C'est une orange. Bon. Puis je vais boire de l'eau. Il fallait que je fasse la vaisselle. Mettez sur les châles et n'oubliez pas, surtout, l'insecticide. C'est le plus important. Moi, je m'asperge avec de l'huile essentielle citronnelle. Je ne sais pas pourquoi il y avait ça essentiel. Du concentré de citronnelle, du concentré de pain mélangé dans de l'eau. Puis je me suis prêt avec ça. Du concentré d'huile citronnelle, c'est très, 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 très fort sur la peau. Alors, il faut le mettre dans l'eau. Il faut mettre des gouttes dans l'eau. Alors, ceci étant dit, on y va de même. On va récapituler ce qu'on a besoin. L'insecticide pour le corps naturel. Une pelle, petite pelle à prospection. Ça peut être aussi une grosse cuillère. Ça peut être un cœur à soupe en métal, c'est pas pire aussi. Un tamis. Alors les tamis, moi j'emmène un tamis qui se vend au Dollarama. Il faut qu'il y ait quand même un bon espace pour que tout le sable trop fin passe l'autre bord. Et ils se vendent déjà des tamis pour prospection, mais vous allez payer plus cher. C'est pas nécessaire, à moins que vous soyez des big fans et vous voulez un équipement professionnel, mais faites attention. Si vous commencez à faire du professionnel, il faut un permis. Alors là, on fait ça en amateur, on s'amuse. On va juste aller s'amuser un peu, faire une coupe de brassée. On défait pas les rives, on va juste s'amuser dans les vieux criques. Ma batterie. Il ira pas loin sans ma batterie. Ils sont belles, hein, mes fleurs. Hey, regarde-moi ça, c'est beau. Wow. 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 Je vais ramasser des graines, je pense, pour vous en vendre. Ça, c'est ma climatique. Chez ma voisine. Elle est trop belle. Oh my god! Clématite avec des petites cloches. Que c'est beau. Bon, pendant que je pars sur la route, je vais pas filmer la route parce que toi, ça va tomber mon cellulaire. Bon, on est dans la nature et là, c'est de trouver un endroit qui convient à ce que j'ai dit. Oh, c'est beau. C'est magnifique. C'est plein de petits animaux en plus. Et peut-être aussi de gros. Ma batterie a l'air à bien fonctionner. On va aller loin. Allez.
de la perdrix, du bien, du bonheur. Moi, c'est super. C'est la place du petit lynx qui laisse tout manger. Sur le chemin, quand on est arrivé au croche, cette année, là, on a quand même eu des pluies, on a été chanceux. Ça dépend aussi si on est au printemps ou à l'automne. Printemps, automne, il y a plus d'eau. Alors, normalement, ici, il y avait de l'eau. Peut-être que là, il y en aurait. Il y a un creux. Il y a un creux là. Je vais juste aller voir si on a de l'eau. On est en plein milieu d'une forêt sauvage. Il pourrait avoir n'importe quoi. J'ai des fruits dans mon sac, alors je vais l'éloigner. C'était pas une bonne idée de m'emmener des fruits. Alors, c'était pour la trail cam, mais j'ai pas été vers la trail cam finalement. Je voulais aller dans un endroit différent pour avoir un décor différent. Je suis déjà venu ici. Il y avait beaucoup d'eau, mais j'ai pas resté longtemps parce que j'avais déjà un sac bien plein de beaux cailloux. Ici, normalement, il y avait de l'eau, alors je vais aller plus loin. On voit que ça se creuse. C'est quoi ce pierre-là? Intéressant. La pierre ancienne. Alors, tu vois, on voit que ça s'enfonce dans un creux. L'impression d'un ruisseau. C'est sombre, c'est lugubre. On fait attention pour marcher sur une gaille. Ah, il y a un creux là, mais il n'y a pas d'eau. C'est vraiment sec. Eh bien, normalement ici, tu vois, il y a de l'eau. On a des traces d'animaux, ça a été traversé souvent par des animaux, des prédateurs. Bon, là, habituellement, il y a de l'eau. Mais là, j'en ai pas. C'est un ruisseau séché. C'est pas mauvais en tant que tel. On a des traces assez grandes. Peut-être un petit orignal ici, mais je suis pas sûr, là.
c'est une croûte. On pourrait avoir là-dedans des pierres rares dans ce genre de ruisseau-là. Des pierres de calcite dans les marais, des agates de marais. Mais c'est pas là-dedans que je vais chercher des pierres précieuses, même si on peut aussi en trouver en creusant. Parce qu'il faut toujours creuser les pierres précieuses, parce qu'elles sont lourdes. Alors oui, il y a des cristaux en surface, comme le quartz. Puis, tu vois, ça, c'est un ruisseau. On voit vraiment, c'est un ruisseau. Un ruisseau complètement desséché. Il y a un autre endroit où il y a de l'eau habituellement. Et j'espère qu'il ne sera pas tout desséché. C'est sûr, je ne veux pas être trop dans le bois, parce que c'est quand même un lieu sauvage. C'est peut-être pas une bonne idée de m'enfoncer, de m'éloigner trop loin de mon vélo. Il y a des ours. Oh. Ça ressemble à une pierre à fossiles. Une belle fleur. C'est magnifique, c'est le mois de juillet, alors c'est bourré de fleurs, bourré de papillons. C'est tout joli. Je sais pas si c'est du riz, ça. Normalement, ici, il y a de l'eau, alors il y a des plantes particulières. Il n'y a pas de riz là-dedans. C'est joli, hein? Tout est joli. Bon, on va aller à l'autre endroit qui pourrait avoir de l'eau. Alors, énormément de cailloux. De toutes les formes. Pas beaucoup de couleurs, mais beaucoup de formes. Un petit coup de langue. Oh, c'est joli. Un jaspin. Oh. Jaspers ont souvent une apparence, on dirait qu'ils ont eu des coups de couteau dessus, ils sont carrés, toutes sortes d'affaires. Alors, lui est vert, c'est bien un jasper. J'ai entendu un bruit de vitre. Alors, des fois, il y a des pierres qui sonnent comme de la vitre. Celle-là. Elle sonne comme de la vitre. Il faut regarder c'est quoi. C'est vraiment une pierre qui résonne. Étrange. Elle sonnait pareil comme un morceau de verre. Elle reçoit une grosse, forte chaleur. Ici, on a une petite agate, je pense. Ah non, c'est une petite pierre de lune rose. Oh, c'est mignon. C'est bien mignon. Elle brille bien. On a du soleil, mais il y a des nuages, alors. Petite pierre de lune rose, jolie. On va la garder. Alors, il faut chercher des pierres transparentes, brillantes, mais vu que je veux creuser, on va aller un peu plus loin. C'est quoi ça? Oh, ça c'est une beauté. Magnifique jasper rose beige. Ça c'est quoi ça? En particulier, ou ça on dirait un cristaux? Ouais, un cristaux de quartz. Il n'y a tellement pas de soleil que je ne le voyais pas, mais c'est bien un quartz. Ou de l'agate, je dirais du quartz. Donc, on a déjà trois belles pierres. Trouver de l'eau, je pense que ça sera pas facile. Sinon, on creusera, puis on prendra à la main tout ce qui est
translucide. Ça, ça a l'air d'une autre petite paire de lunes. Ça, c'est intéressant aussi. C'est une pierre fossile. Ou de la rhyolite bleue. Toutes les genres. Pierre. Les frites. Je suis pas sûr. Peut-être avec bien du calcaire, il est très étrange. Alors ici, d'habitude, il y a de l'eau, là. C'est quand même intéressant. Mais les pierres précieuses sont plus lourdes, plus denses. Et elles vont plus creux. Alors j'aimerais aller dans un endroit qui ressemble à ça, mais qui va plus creux. Juste regarder si en surface, on aurait quelques cristaux comme ça ici. Ça pourrait être une fluorite, une petite fluorite. Des animaux. Je me suis mis en short pour faire bronzer. Faire bronzette. Pour avoir des véhicules tout-terrain aussi. Ah, en voilà un. Le premier véhicule de terrain de la soirée. On va me dire, qu'est-ce que tu fais là? T'es-tu stock? Non. Je vous ai filmé. Bon, OK. J'aime pas ça quand on me questionne. Bon. On va lui faire des trous dans le chemin, non. J'aimerais ça. Bon, OK. Là, je vais regarder un petit peu si on a des cristaux en surface. Après ça, on va aller un peu plus loin pour creuser où il y aurait de l'eau. Quartzite rose. Ah, ah. Petit cristal. Là, on a du soleil. On va remarquer plus les choses avec un peu de lumière. On pourra voir aussi du bois fossile. J'en ai déjà trouvé un bout ici. Un petit quartz, on dirait un petit quartz fumé, on va le prendre. C'est bien, des quartz fumés. Là, on a comme deux quartz. Une petite plaque de calcite avec un tour de fer. Alors là, l'appareil s'éteint aussitôt qu'il y a trop de soleil. Ça se pourrait que ça tangue plusieurs fois que j'ai de la difficulté. C'est ce qui arrive au mois de juillet. Alors, ce que je fais, c'est que je vais ramasser les petits cristaux en surface. Puis, je voudrais creuser, mais d'un endroit à l'ombre. Le soleil repart. Mais il va ressortir à d'autres moments. C'est joli, ça aussi. Mais là, aujourd'hui, c'est cristaux. Ici, on a un cristal, je pense une calcédonie. J'ai pris peut-être une fluorite, une petite sunstone. Ça, je suis pas sûr si c'est un granit ou si c'est autre chose. Ça a été tourné, alors il y a quand même plusieurs petits cristaux. Des fois, je regarde, même si c'est pas un cristaux, seulement pour étudier. Puis voir ce que c'est. Quand je vois quelque chose de bizarre, je le regarde aussi. Peut-être un petit topaz ici. À côté, un petit morceau. On ramasse tout ce qui est petits cristaux. Parfois, ça a l'air blanc, mais ça ne l'est pas. Hein? Ça peut arriver que ce soit rose ou bleu, mais que dans la nature, ça a l'air tout blanc.
Ça va pas nécessairement paraître que c'est de l'opale non plus quand c'est séché. C'est les plus beaux. Alors, je prends des petits quartz qui sont plus beaux. Des petites pierres de lune, des petites sunstones aussi. Des petites sunstones, c'est des petites... des quartz avec beaucoup de feuillets, de petites pattes dedans. Ici, peut-être... oh, un petit cristaux rose mauve, un petit quartz. Très dur. Ici, on a un cristal d'agate, de calcédoine. Une calcédoine beige, très jolie. La calcite va briller plus que la calcédoine pour les différencier. Je sais pas, je trouvais ça intéressant à regarder. Trop de pierres noires. Oh, en tout cas, il y a du stock. Alors, plus qu'il y a de la roche autour de nous, plus qu'on a des chances de trouver des beaux petits cristaux. Des fois, il faut regarder aussi les jaspers. Non. Il y en a qui ont des cristaux qui sont. Qui vont avoir beaucoup de. Qui ont de l'agate puis du. De la calcédoine, du quartz. Regarde ici, c'est vert. Une petite pierre précieuse verte. On dirait un petit jade. Un petit jade vert olive et blanc. C'est, ouais, c'est un bon spot. Des pierres qui sont intéressantes à regarder. Donc, un petit quartz. Oh! Une autre belle agate calcédoine. Superbe. Plus grosse que l'autre. Avec cette fois des couleurs un peu plus ici. Superbe. Ah, ici, peut-être une fluorite ronde. Ou un quartz et rond avec du vert, du blanc. Ça, je dis, c'est peut-être une fluorite. C'est en les roulant, je le vois, les fluorites. Ils vont faire comme des flocons de neige brillants. Tandis que le quartz, ça fera pas ça. Mon Dieu, je suis pas prêt de partir, les amis. Je pense que c'est un bon spot. Il n'y a juste pas d'eau. Ah! Oh, ce bébé, tu moi. Ok, je vais vider mes poches là-dedans. Papillon, il y a mon vélo, hein? Il y a mon vélo! Oh, t'es beau! Monarque. Alors, j'ai dans mes poches plein de petits cristaux, mais c'est mêlé avec mes clés. Et ça, c'est mal. Ok. J'ai réussi à enlever mes clés et je vais tout mettre mes petits cristaux ici. Beaucoup. Alors là, on a du vert, du rose, du blanc. C'est bien. C'est pas juste du blanc. Du beige, du brun. Un bel couleur, hein? On va aller un petit peu plus par là, pour le fun. Puis, je vais peut-être venir creuser, mais là, c'est parce que je veux de l'ombre pour creuser. C'est ça qui arrive, parce que sinon, je vais mourir sur place. Très calme. Je pense que par ici, qu'il y a un étang à ma droite.
a de l'eau là, il va y avoir des animaux. Là-bas, ça descend au bout, là. C'est vrai qu'il y ait de l'eau là. Oh, il y a des bleuets. Oh. Oh, j'ai oublié de m'emmener un pot pour les bleuets. Je pensais pas qu'il y avait déjà des bleuets. Des meruses, des bleuets. Il y en a pas mal. Ça, c'est quoi? De rien de pierre fossile. Elle était retournée par la quatre roues. Ouais, c'est tellement bleu. Oh mon Dieu. C'est bourré de bleu. C'est de l'eau, là? Non. Oh, wow. Ah ben, ça a l'air que c'est le temps des bleuets. On va aller plus loin, c'est pas au bleuet qu'on va. Qu'il y avait des bleuets, je me serais amené un pot pour les bleuets. Ça, c'est glace. C'est calcium. Morceau de quartz détaché sur les rochers. Ils se sont desséchés un peu au soleil. J'ai échappé un cristaux, je sais plus ce qu'il est. Ah, regarde. Il y a un quartz, celui-là.
quartz. Bon, je pourrais aller creuser là-dedans. Même s'il n'y a pas d'eau. Probablement en étant desséché. Sauf que je suis en plein soleil. Non. Oh. Il y a un gros quartz ici. Oh. Des belles couleurs dedans. Mm-hmm. Sa chaleur qui fait. Il fait environ 30 degrés. J'ai bien fait de me mettre en chaud. On a des veines de quartz ici. Des parties qui se détachent. Il y a du granit après. Je vais ouvrir même le cœur. Je suis dû pour boire. Oh, plus loin, il y a un étang. Et j'espère qu'il y a de l'eau. Des grands rochers par là-bas. Mais il n'y a pas d'étang. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites traces de petits animaux tout petits. Petite souris, regarde-moi ça. C'est tout mignon. Bon. Je vais mettre mes cailloux, mes petits cristaux là-dedans. On va aller faire des brassées dans l'eau, mais il faut trouver de l'eau. Il faut que je boive un peu de liqueur avant de mourir. C'est très intéressant. Là-bas, il y a un marécage, mais c'est juste la boîte. Des cristaux de mes poches. Mais des gros. Pour ramasser des grosses affaires de même. Là. L'appareil à trop chaud, cela peut réduire la qualité de l'image. Marco, bière d'épinette. Ça a l'air. C'est comme manger du mélèze, c'est bon. Regarde, c'est ça du mélèze. Tu prends un petit bout de verre, là. Tu mets dans ta bouche, tu manges. Même affaire. C'est bon d'en manger un peu, mais pas trop. Quand on va en forêt, il n'y a pas de tort à manger de l'épinette, du sapin baumier ou du mélèze. Alors, le mélèze lui perd ses aiguilles en hiver. Alors, ses aiguilles sont très tendres. Surette. Ça goûte comme l'épinette, mais plus surette un peu. Aller voir s'il y a un étang par là-bas. Je sens que le cœur survivra pas long là. Là,
Je me promène avec des vieux fruits, alors c'est pas de bonne idée. Il est présentement 2h15. Alors je vais me diriger vers un étang pour essayer de voir de l'eau. S'il n'y a pas d'eau là, ça veut dire qu'il n'y en a pas avant bien longtemps. On va aller voir ça. C'est quand même assez loin. Et puis, je vais mettre ça sur pause donc pour y aller. J'espère que ça ne sera pas en boue puis qu'il va y avoir assez d'eau pour laver un peu de sable que je devrais trouver sur place. Mais il y a quand même moins de roches ici, mais en creusant, je pourrais aller chercher un peu de petits cristaux parce que l'idée, c'est d'aller chercher ceux qui sont en dessous. Là, j'ai pris ceux qui sont en surface. Les cristaux de surface et les cristaux légers. Et il y a du bruit tout autour de moi et je dois me sauver parce que j'ai des fruits dans mon pack-sac. C'était pour ma caméra, mais je ne suis pas du tout à l'endroit où j'ai mis une caméra. Donc, ces fruits-là, je vais peut-être les congeler puis les ramener plus tard. Alors, il y en a qui se demandent, est-ce qu'on peut faire du vélo de montagne avec un vélo électrique canadien? Eh bien, oui. Il faut juste faire attention d'y aller lentement et de mettre ses deux mains sur le volant, ce que je n'ai pas actuellement. Puis de pas aller où il y a des trous de roche. Oh, ici... J'ai un beau tas de cailloux dans lequel j'aimerais bien fouiller. Mais je dois aller plus loin. Donc, nous continuons. Je m'approche quand même des temps, je pense. Alors, on peut mettre un pied ou deux à terre quand on sait qu'on approche une roche d'une bosse. Sors mou, on fait attention. On se met un pied à terre. On peut aller vite tout en ayant nos deux pieds à terre de chaque bord, comme en motocross. Il faut jouer avec les pieds, avec les épaules, le dos. Là, tu vois, j'ai changé de bord parce que maintenant, c'est ici qu'il y a le point de grosse bosse. Je vais tirer. Ça descend, alors on doit se faire rapprocher. J'ai mis les pieds sur le sol. Deux trous d'eau. Moi, je l'espère, de l'étang. Ici, c'est l'endroit où ça va bien. C'est du sable très fin, il n'y a plus de cailloux. Il y a des racines d'arbres. On continue, je pense qu'on arrive à l'étang. Là, on a de l'argile. Oh, je n'ai pas pensé à ça. Hein. Donc, on arrive à un endroit qui a déjà été débordé. OK. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ça a débordé. OK, ben c'est l'étang. Mais il est sale à cause qu'il a débordé dans le chemin, puis donc les quatre roues passent dedans. J'ai pas d'ombre, mais ça va quand même être parfait. Oh, et moi qui voulais mettre ma caméra là, là-dedans. C'est plus aussi beau que c'était. On va quand même pouvoir faire du lavage de pierre. Alors, d'habitude, il y a des castors, c'est ça, je voulais mettre une caméra là pour voir les petits animaux, mais là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. On voit pas de barrage, on voit rien. Pourquoi ça a débordé, je ne sais pas. Ça se peut qu'ils aient fait un barrage plus loin, les autres, là. On voit comme qu'il y a de l'argile qui a été tassée par là, ce qu'il n'y a pas d'habitude, vers le fond. C'est pas supposé. Peut-être des camions qui ont fait ça. Ça a rendu toute l'eau brouillée. D'habitude, elle n'est pas brouillée non plus. Mais pour laver nos pierres, ça sera pas grave. C'est drôle parce qu'il y a encore plus de pierres l'autre bord. Mais bon, ça devrait être correct. Ça va être... Ça pue. Il y a des petites plantes, là. Il n'y en a pas assez. Je sais pas ce qui s'est passé. L'eau est toute brunâtre. Mais pas belle. Mais c'est moins pire que je... Ça aurait pu être de la boue. Ça ne l'est pas. C'est juste qu'elle est complètement sale à cause des véhicules qui passent. Vu qu'elle a débordé. Il aurait fallu mettre une calvette, mais peut-être qu'elle est bouchée.
Normalement, il y a une cavette entre les deux, puis il y a du sable par-dessus. C'est comme un petit pont. Il faudrait que le pont soit refait. Il doit être bouché. Ah, j'ai l'impression d'être un alcoolique. Mais il n'y a pas d'alcool là-dedans. Bon. Alors, il y a malheureusement ici, on voit du gravier qui est du gravier qui a dû être apporté pour faire le chemin par-dessus l'eau à un moment donné. C'est pas ce qu'on veut. Ici, on va sortir la passoire. Ça rentre juste là-dedans. Là, les petits pots, il y a tellement de... Okay, ça, c'est le petit pot pour mettre les pierres précieuses. J'ai la pelle là quelque part. Ça, c'est la petite assiette noire. Ça, c'est ma pelle de prospection. C'est des bonnes pelles. C'est fait en une pièce. Il n'y a pas de manche, donc ça se casse pas. Pourquoi une petite assiette noire? C'est pour aller voir quels sont les cristaux. Alors, s'il n'y a pas de soleil, c'est encore mieux. Il vaut mieux avoir un chapeau, ce que j'ai pas en ce moment. Ouf. Un chapeau pour protéger le visage puis le crâne. On va aller se prendre un peu de sable naturel. On avait de l'argile, malheureusement. C'est pour ça que l'eau s'est salie. Il y a de l'eau aussi, là, sur les bords. C'est juste à cause de la vie. Vous comme ça? Sable. Sable. On va le chercher en dessous. Et là. Ah, il y a du 4 roues, hein. Sort de la peau, hein. Une pleine poignée, mais on sait se laver. Ici, on voit qu'il y a des animaux qui ont été boire de l'eau par là.
ici, un animal qui était au bord de l'eau. C'est plein de chemins. Ce serait vraiment un bon endroit où mettre ma caméra. Avec les fous. Le foin est écrasé comme ça, là. Il n'y a pas grand-chose dans ma perle. Mais c'est comme ça que je le lave. En surface. Pour voir ce qu'on a. Ensuite, on regarde si on a des petits cristaux. On pourrait le mettre dans notre assiette noire. Et on regarde très très proche, il y en a. On voit qu'il y a des petits cristaux. Alors ici, on a du sable lavé. On peut l'emmener et continuer à le trier à la maison. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'en rajouter du sable. J'en vois juste à côté de moi ici. Je vais enlever les grosses roches. On a de la glaise. Regardez les plus grosses roches. Si on voit des couleurs. Oh, c'est une rhyolite. Oh. Ou une bloodstone. Je pense une bloodstone. On a du jasper vert clair avec du rouge. Oh, c'est rare ça. Alors, ça doit pas être juste de la roche de gravier, certain. Alors, ça, on a une grosse pierre semi-précieuse. J'ai bien fait de la regarder. On va se prendre du gravier ici. On va laver. Ici, il y a plein de glaise. On va se prendre un glace. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout emmener ce gravier-là, puis le trier dans une émission. Oh! Ça, c'est que j'ai des bottes de boîtes. Les bottes étanches, faites pour la boue. Un petit peu de rouge, pas pire. Un petit caillou rouge. Plus qu'on creuse, plus que ça peut être intéressant. Voilà. Maintenant, on va laver la chose. Je tasse les roches avec l'espace. Ça a l'air de rien, j'ai l'air de salir, mais ça va laver. On a beaucoup. Alors quand j'en mets trop comme ça, c'est dur. Ouh, je vais tomber par en avant. C'est de l'exercice. Je vous dis que l'eau est pas froide non plus, hein, c'est chaud. C'est pas ça. En même temps. Je vais avoir l'œil. On a une tonne de gravier.
mettre ça à l'ombre. La liqueur, la liqueur, la liqueur. Il y a des belles petites pierres rouges, je vous dis. Alors, c'est le seul petit ombre que j'ai. De le prendre, ça. Ça, je pense que c'est un jaspe. Non, c'est ça? Je suis pas sûr. Ça, c'est très bien. Une grosse lourde. Wow! Je pense que j'avais une petite aventurine. Je suis pas sûr. J'ai vu que c'était rouge, je l'ai mis dedans. Oh. Un petit peu d'uniakite. J'enlève tous les cailloux sans intérêt. Tout ce qui est granit qui est embarqué là-dedans. Du bois, on l'enlève aussi. Alors, est-ce qu'on avait des petits cristaux là-dedans? Qu'ils soient pas trop petits. Ah, il sort d'un. Bonne façon de récolter sans que ça prenne trop de place chez soi. Je sais pas s'il y a de la sangsue là-dedans. Hein? C'est quoi ça? C'est un cristal? Hein? Une petite calcédonie. Ça a été beau en plus gros, ça. Du verre. C'est un bon échantillon aussi de ce qu'on peut trouver sur place. On a ici un petit bout de néphrite probablement. Néphrite olive. Ici un petit jaspe brun. Ici. Ça, j'en veux pas. Ça, c'est de la boue. Quand ça sèche, ça vient bleu de même, là. Basalte. C'est des cailloux de gravelle ordinaire. Alors, on regarde comme ça si on voit pas des cristaux. Ça va pas nécessairement être blanc, alors attention. Ça peut être bleu, ça peut être mauve, jaune, rouge, vert. Faut avoir l'œil. Même si c'est petit comme ça, on le prend. C'est pas trop mauvais. Alors, tout ce qui est trop petit devrait avoir parti. Devrait être sorti de la passoire. Oh, j'ai vu quelque chose de très très rouge à quelque part. Un rouge vif. Je l'ai raté. Rouge, rouge, rouge. Ça peut être un bout de fruit aussi. Cristaux en fait. Comme ça là. Un autre là. On les ramasse. C'est intéressant. Toujours intéressant à trier, franchement. Là. Même si c'est tout petit. C'est pas sans intérêt. Il faut faire attention parce que les petits, les plus précieux peuvent coller au doigt. Ce qu'on m'avait dit, c'est que les diamants collent au doigt. On regarde si c'est beau, celle-là. Je pense que c'est juste un quartz avec un peu de rouille, là, mais ça fait joli. Je vois que j'entends des sons tout autour de moi. Un petit quartz avec des couleurs. Alors, j'ai déjà trouvé un petit quartz bleu. C'est extrêmement rare. C'est en faisant du glavage de même. Que je trouve aussi des petits saphirs.
effet de brume. Bon, ça c'est sûr, je l'emmène. On va se faire un autre brassé. Alors, je vais enlever la majorité des cailloux pas bons. Puis, je vais en remettre un peu. Puis, je vais relaver comme ça. Puis, je vais toujours faire ça. Puis, à la fin, le reste de mon sable, je vais l'emmener avec moi. De la étrange. J'ai l'impression que ça a été creusé, mais aussi bouché. On va aller un peu plus creux. Couleur. Bleu.
heureux. On a de l'air gelé bleu, c'est bien. Ça signifie qu'il n'y avait pas d'oxygène. Donc, c'était creux. Et que ça n'a pas été déplacé. Ça, c'est joli, ces pierres-là. C'est pas rare, mais c'est joli. Tiens, je vais voir c'est quoi. S'il y a de la bloodstone, je vais voir s'il y en a d'autres. Bon, mais c'est quoi, c'est... Bloodstone, ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un fucking granite. Tout ce qui n'est pas beau. Thank you.
Oh, il est plus creux ici. Ça va aller mieux. Commence à sécher. On va regarder si on voit quelque chose qui brille. Oh! Et voilà! Oh! En voilà une belle! Superbe! Ah, voilà ce que j'aime! Elle brille bien! On a la poussière dessus, mais alors quand ça sèche aussi, c'est là qu'on voit plus ce qui brille plus que la moyenne. Oh, ça c'est du beau bébé, ça. Au pire grosseur, bleuté. Superbe. Là, il va sûrement avoir d'autres surprises là-dedans. Hein? Du vert ici avec du transparent. J'aime bien. Hop! Viens ici. C'est bon, hein? Alors, quand c'est ça, c'est intéressant. Mais il faut quand même que ça soit un petit peu mieux lavé. Enlever les...
J'ai mis le sable lavé dans mon pack-sac. Je l'ai trié un peu, mais il va falloir que je le trie plus et je vais aller mettre à l'abri du soleil et des mouches. Et c'est ça. Là, la tombola a dû passer. Félicitations, gagnant. Oh, faut pas que j'oublie ma pelle. Là, faut que je m'en aille aussi parce que l'heure des animaux s'en vient. Puis je veux aussi mettre mes fruits dans le congélateur pour pas les perdre. Il y a quand même beaucoup d'eau, on regarde ça, ça va loin. Alors, je vais sûrement en faire d'autres, surtout quand il va faire frais, qu'on va être bien. Fin de semaine prochaine, je travaille. Oh, dans ma belle, c'est les libellules, là. Hey! Oh, quelle est belle! Wow! Les bleus avec du noir. Bleu clair. Hey, reviens! Oh my God! Elle est donc bien belle. S'il ferait pas chaud, là, ou j'aurais un chapeau avec de l'ombre qui fait frais, là, je resterais ici longtemps parce qu'il y a vraiment plein de petits animaux, il y a de la vie, il y a des beaux cristaux. Ah, la voilà! Elle fait le tour. J'ai jamais vu une libellule comme ça. Se concentrer pour filmer avec toutes les mouches qui sont dedans. C'est pas des mouches qui me piquent, c'est vraiment des mouches qui viennent me lécher. Donc, avec le tronc. Lâche-moi! Ça, normalement, c'est vert, des algues comme ça, mais là, ils sont couverts de brun. Couvert de d'eau aussi à la remontée. Ça, ça met peut-être du riz. Ça aussi. Là, j'essaie de tout verser sans m'en perdre, ce qui n'est pas évident. Un peu dedans. Il y en a qui ont tombé. Oh. Oh. OK. Alors tout ça, ça va devoir être rincé de nouveau. Ici, le pot des pierres que je garde. On va nettoyer ça un petit peu. On n'oublie pas que ce qui va au fond, c'est le plus lourd habituellement. J'en prends un petit peu. Je le mets dans mon assiette noire. Je regarde si j'ai des cristaux là-dedans. Comme font les détaches. Est-ce qu'on a un cristal là-dedans? Ça, c'est pas un cristal, ça, je pense pas. Hein? Si, je pense que c'est juste des petits quartz. Petite pierre de lune de la mini. Ah ah ah. Peut-être ça. Non, c'est gris. Puis ça, c'est quoi? Oh! Une petite affaire. Cristallin. On va le prendre. C'est vraiment petit. OK. Bon, le reste.
Des fois, ça pourrait être des petits saphirs bruns jaunes. Ça, c'est bon. OK. Donc, le reste, on regarde comme il faut. Des fois, les noirs, c'est pas brillant. OK. Le reste, c'est pas bon. Je vais le mettre par là-bas. Faire du gravier avec. Voilà. On s'en reprend un petit paquet. On sépare. Là-dedans, est-ce qu'on a un petit cristaux? Ça va être long, hein? C'est ça qui est le fun, c'est d'en avoir beaucoup. Faut trier ça longtemps. Est-ce qu'il y a un petit cristaux là-dedans? Je dirais, ouais, il est pas trop petit. Il y a un petit jaune ici, mais là, rendu là, c'est de l'abus. Un petit blanc ici aussi, j'ai un petit grain de sable. Trop fin, trop petit. Ah, peut-être ça ici. Il y a pas un. Mettre là. Puis le reste, on jette. Il n'y a rien qui brille particulièrement. Pour vérifier aussi si ça brille. Oh, des fois, on est. Des fois, je jette trop tôt. Ici, un petit. Bon. Ça m'a l'air d'un petit quartz. On va quand même le mettre là. D'un coup, c'est un diamant. Il y a des diamants qui sont poivre et sel. Là, on a un petit gravier pas bon. Ça en prend un autre. On va prendre un petit peu plus. On dirait que plus qu'on arrive au fond, plus que ça va être intéressant. Ça, c'est pas bon. Un caillou. On regarde le rouge, voir si c'est pas précieux. Il a volé. Sinon, c'est du jaspère avec un petit peu de quartz. C'est une valeur qui est pas plus gros. C'est le genre de caillou qu'on aime bien avoir en gros, par exemple, pas en petit. Y'a-tu un petit cristaux là-dedans? Est-ce que vous en voyez un? Moi, ça se peut qu'il y en a qui me disent « Hey, t'as acheté un cristaux! » Ça se peut. C'est des fois parce que je sais c'est quoi, puis j'en veux pas. Il y a plusieurs, un petit verre, un petit... Ça, je pense que c'est juste des petites mini pierres de lune trop petites. Cristaux de feldspat. Ah. Ouf. Peut-être pas. Bon, rien d'extraordinaire. Les mêmes, on dirait plutôt des morceaux de gravier. On va jeter. Des petits quartz dans le gravier. Assiette s'en vient sale. Pour ça, il faut que ça soit propre. C'est trop sale, on voit plus rien. Alors, des fois, en surface. Ah, tu vois, ici, il y en a un. Un petit cristaux. Tu vois ça? Pas sûr. Ah, ça oui. Bof, du quartzite. Faut regarder comme faut si ça brille avant d'y pitcher. Des coups. Parce que les corindons, ça peut avoir l'air d'un caillou ordinaire.
qui va être particulièrement plus sale que les autres parce que c'est un petit peu plus rude. Fait que ça se peut qu'il absorbe, qu'il y ait de la saleté dessus. Ah, ici on a un petit cristaux. On a une assez bonne grosseur. Hein? Là-dedans. On dirait une petite sunstone. Petite pierre de soleil. C'est pas extra, mais bon, c'est mieux que rien. C'est pas laid non plus, ça dépend des modèles. Ça, ça pourrait être quelque chose. Pas sûr, là, mais... Soit c'est un jasper ou une pierre sédimentaire verte, soit c'est un... Ça pourrait être un saphir. Les saphirs sont ternes au Québec. Ah, ici on a du cristaux, du cristaux, du cristaux. C'est sûr que là, il y en a plus. Je file mes doigts. Là, voyons. Là. Il est rendu. Ça colle, hein? Bon, là, je n'ai deux. Ah! Deux avec un peu de choses après. Je sais pas si c'est de la roche. Ah, lui, c'est comme de la mousse. Une mousse verte, hein? Il est joli, lui. Là, c'est un beau petit cristaux. Il est en train de sécher, là, mais il était pas mal beau. Alors, quand ils sont trempés, on les voit mieux. Parce que quand ils sèchent, toutes les roches deviennent là grises. Des fois, ça veut pas dire qu'elles sont grises. Là, je trouvais juste beau pour mon gravier. Pitié. Ah, ça, c'est un mouton d'argile. Quand j'ai creusé plus creux, il y avait une argile très dense. Bleue, l'argile bleue, c'est toujours très dense. Ça, c'est possible. On dirait de la rialite. Bon. Ici, ça se pourrait qu'il y ait des bébites aussi, là. Ici, on a un petit cristaux. Jaune beige. Dépendamment où vous êtes, là, il va peut-être avoir des couleurs bleu, rouge, vert. Il faut regarder aussi ceux-là. Jaune, vert. Ici, c'est pas mal. Beaucoup du blanc, du gris. Des fois, du bleuté. Du rose, j'en ai pas mal. Du beige, du brun. C'est un peu plate, mais c'est ça. Des petits cristaux. Pour savoir si c'est du quartz, ça va être à la dureté. Je n'ai échappé un, mais je l'ai échappé dans le tour, fait que c'est pas grave. Des fois, ça a l'air d'être du quartz, mais ça n'est pas, alors. Même si c'est blanc, on le ramasse. Même si ça a l'air d'un quartz, ça ne veut pas dire que ça en est. Regarde, lui, il est un gros, un beau gros cristaux. J'avais trouvé ça dessus. Vraiment beau. Il y a des lignes de couleurs. Ça pourrait être une fluorite. Ou un quartz. Avec des lignes de main, il y a peut-être de la fluorite. Hein? C'est un petit peu sale. Il y avait du vert. Moi, j'ai plus d'eau. Hein? Très intéressant. Ça peut être une calcite aussi. Il est gros, hein? C'est dans un coin. Non, c'est joli, ça. Une petite pierre verte. Assez grosse. Verte et beige rose. Tout pastel. C'est un gros. Je vais l'enlever de là. Beau gros trésor. Je vais laisser sécher pour que les petites roches décollent dessus.
Celle-là aussi, toutes les belles grosses pierres. Celle-là aussi, je la trouvais belle. Celle-là aussi. Ah, celle-là n'était pas grosse, mais elle était sur le dessus. Elle était déjà roulée. Pas mal cute. Je vais aller chercher de l'eau. Il va falloir les brosser avec une petite brosse à la vaisselle. Ça va être parfait pour rouler au tombeur ou pour tailler. Il est magnifique celui-là. Oh! Pêche! Il est un peu taché là, mais il va être beau. Ça, c'est beau, mais c'est dur à rouler. Par contre, trancher, ça fait pas mal cute. Ça, c'est une espèce de pierre grise bizarre. J'avais l'impression qu'il y avait un peu de transparence dedans. Un petit peu à rouler pour voir que ça donne. Ça, c'est quoi ça? Ah, un petit jasper brun et vert. Ça, habituellement, c'est beau quand c'est roulé. Parfait pour le tombeur. Puis ça. Je sais pas si ça peut être beau. I don't know. I don't know, pas savoir. Bon. Mettre celle-là. Les pierres noires ont l'air bleues, mais. Ils sont juste noires. Ça, c'est pas bon. Faire attention, ça pourrait être des tourmalines quand c'est ces formes-là. Quand c'est en forme de bâton rayé comme ça, ça peut être aussi du bois fossile ou de la tourmaline. Ici, on va l'enlever. Un beau petit quartz. Si on peut le laisser tremper dans le ciel or pour le détacher. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Quartz calcite, je sais pas quoi. Ah bon. Un cristal pardon, ça arrive. Ok. Arrêtez de chanter. Parce que ça, c'est pas beau. Est-ce que vous voyez un petit cristal là? C'est un bout de...
fait du pas de picoté noir. C'est pas qui se trouve. Des petits cristaux tout petits, il y en a plein. Des petits comme ça, là. C'est plein. Petite grosseur. Alors, je m'en vais comme ça. Puis tous ceux qui sont pas beaux, là, parce qu'après, je retrie tout ce que j'ai récupéré de cristaux. Puis dans ces cristaux-là, ceux qui sont pas beaux, ben, je m'en sors pour mettre dans le rouleur, dans le tumbler ou dans l'aquarium ou dans je sais pas quoi. Ou tu les pitches. Ça me sort de cristaux. Hop, je m'ai échappé. Faire attention à pas les échapper. Vous voulez prendre un pince acide là chez vous là. Ça pourrait être plus facile. Là. Plus facile avec une pince acide. Ça c'est de l'argile là. On peut l'écrouer un peu. Voir ce qu'il y a là-dedans de caché. Petite affaire. Là. Petite affaire. Vas-y dans le pot. On s'assure qu'il n'y a personne en bas de la galerie. Et en armada. Oh, j'aime bien quand ils sont évidents comme ça. Oh, notre évidence. Oh, du verre. Du verre de chez Verre. Une péridote. Du blanc. Colle au doigt. Bon, l'appareil est très chaud. Alors, pour l'instant, j'ai pas trouvé de trucs extrêmement brillants comme du diamant ou du saphir, mais il y a quand même une poussière qui les recouvre. Ils sont mouillés. C'est quand ils sont secs qu'on reconnaît les saphirs puis les diamants. Les tours commencent à sécher. On va regarder si on voit quelque chose qui brille. Et voilà. Oh.
voilà une belle. Superbe. Ah, voilà ce que j'aime. Pris bien. On a la poussière dessus, mais... Alors, quand ça sèche aussi, c'est là qu'on voit plus ce qui brille plus que la moyenne. Oh, ça, c'est du beau bébé, ça. Au pire grosseur, bleuté. Superbe. J'ai mis de l'eau avec un peu de nettoyant acide. Ça, c'est du CLR. Ça enlève le calcaire. Il ne faut pas laisser tremper longtemps, mais on peut tremper ça assez longtemps. Il n'y a pas de danger pour les pierres qui sont précieuses. Ça va justement défaire les petits calcites. On le laisse assez longtemps. Ça va détacher aussi. Ça va enlever le fer. On peut mettre aussi du iron. C'est quoi déjà? Iron out. Ensuite, je les rince bien dans de l'eau neutre. Vide. Ça, c'est tout ce que j'ai récolté de transparent. Ou que je trouvais beau. Je vais séparer ce qui est précieux.
j'enlève ce qui est plus gros. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. On va regarder ensuite ce qui brille en vidant l'eau et en laissant sécher. Ça, c'est peut-être une tourmaline. Granit qui est tombé dedans. On voit du bleu ici. Opale. On les voit tout de suite sur le noir. Quand c'est opale, ça se voit bien dans l'eau. Elles deviennent transparentes et légèrement bleutées. On va vider l'eau de tout ça. C'est sûr que là-dedans, il y a encore juste des cailloux ordinaires. J'ai juste tout pris ce qui était transparent. Il n'y en avait pas tant que ça, des pierres transparentes dans le lot. Alors, je vide l'eau. Là, il y a beaucoup de vent. Je suis pas inquiet, ça va sécher plus vite. Qui sont bien nettoyés, ça va permettre aux pierres qui sont intéressantes de briller. Là, ça là, c'est bien ça. On va faire un tour comme si on va aller regarder Trump. Quand ils sont mouillés, ben c'est ça. On voit les opales, on les reconnaît. On voit bien ce qui est transparent. Il y a un peu de petites pattes au travers. Petites pattes de grosseur-là, ça vaut rien. Même s'il est beau. Faut que ça soit un petit peu plus gros pour faire un bijou, s'il est bien beau, mais pour ça. Pour ça, on est vide d'emblée. C'est en train de sécher. Ça va sécher. Au claquement de mes doigts. Le soleil est parti, là. Mais il va revenir, là. C'est bien ça. Ça aussi, c'est encore un peu humide.
je vais éliminer tout ce qui ne brille pas, comme tout ce qui est fait spat, ça brille un peu, même pas beaucoup, et calcite, calcédonie, ou jaspe transparent, ça existe, il y en a. Si on voit un petit jaspe rose ici, tout joli, on va l'éliminer parce que c'est pas. Tu vois ces couleurs-là, là, on voit ça souvent. Mais ça va être du feldspath, du jaspe ou du quartzite. Il y a beaucoup de ces couleurs-là dans ma région. Mais c'est pas nécessairement précieux. Ça peut être aussi de l'opale. De l'opale commune. On voit qu'on a aussi du beige. Oh, on a du bleu, du blanc bleuté ici. Ça, c'est bien. Ça aussi, c'est bien ici. Ah, ici, je ne brille pas, mais trempe, je le trouve très intéressant. Puis il est très, très dur. Ça ici, c'est excellent. C'est un des premiers qu'on a vu. Très beau. Probablement un petit topaz ou un petit... un petit, voyons, spinel. Ah, ça là, il est sorti. Alors, là, je vais éliminer tout ce qui ne brille pas et ça va être très petit ce qui va rester. Celle-là ici, on dirait une petite amazonite. Ou une opale, peut-être. Elle brille pas beaucoup pour une amazonite. Ça ici, un autre exemple. Qui brille pas, mais qui va être transparent quand il est mouillé. C'est une calcédoine. Toujours plus belles quand elles sont roulées et polies. Un exemple ici de calcite. On voit qu'elle a des cassures. Opaque. Brille pas beaucoup. Des cassures prouvent qu'elle est tendre. On voit qu'elle a déjà été cassée là. Alors c'est sûr que les pierres précieuses sont rarement cassées. Parce qu'elles sont très dures. Ici, un autre exemple. J'ai pensé que ça pouvait être peut-être une tourmaline. Mais ça ne brille pas du tout. Tourmaline, même quand elles sont foncées, elles vont briller. Alors, c'est probablement un jasper. Parce que ça brille pas. Si ça brille, on va le mettre dans la tourmaline quand c'est cette couleur-là. Là, c'est un jasper. Ici, une petite... Je pense bien que c'est une petite opale verte. Elle ne brille pas. Ici, on a un petit quelque chose qui brille beaucoup. Un petit grain d'or. Ou de diamant jaune. Moi, je dirais de l'or. Ça ici, ça brille beaucoup. Même si on n'a pas de soleil. Chose qui brille mais qui a été cassée. Alors, ça peut être un quartz.
mollir. Un peu moins. Ici, on a une écaille qui brille beaucoup de, je pense bien, puisque c'est une écaille de coupe. Ça arrive. Très, très dur. Mais c'est très, très mince. Ouais, c'est très dur, puis ça brille. Alors, puis c'est stratifié, alors ça, habituellement, c'est du corindon. Une autre pierre ici qui brille bien. Semble légèrement stratifié. Très dur. Ici, on a une opale. Bonne qualité, mais très petite. Et maintenant, voici vos scènes. Coupez! Ça me rend l'eau plus assez. Oh, 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 oh! Ça, c'est grave! Oh! Ça, c'est grave! Oh, 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 oh! C'est la bière d'épinette! C'est tout ce que j'ai pour m'hydrater. Oui. Thank you.